Salut, c'est Cyril de, de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si gagner de l'argent avec l'email c'est mal. Est-ce que c'est le diablo? Avant de te répondre, je vais t'expliquer ce qu'on va parler. On va parler de spam, on va parler d'argent dans l'email, on va parler de l'argent avec l'email ou à travers l'email. Tu vas voir, reste à l'écoute, ça va t'intéresser. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tu reçois tous les matins un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Tu sais, euh, quand j'étais plus jeune, on me demandait ce que je faisais, et quand je disais, euh, bah écoute, euh, je gagne ma vie avec l'email, euh, les gens me disaient Ah mais c'est toi euh, qui m'envoies les spams Ah mais c'est toi euh, qui me fait plein de spams Ce qui est drôle, c'est que euh, cette analyse, c'est de dire que l'email est toujours associé à du spam. C'est-à-dire quand tu dis que t'envoies un email, aujourd'hui euh, tu sais, es considéré comme un spammer. Si en plus tu dis que t'envoies un email par jour, alors là c'est fou là, là, mais t'es un sacré gros spammer. Alors toi, ça va peut-être pas te parler directement, parce que peut-être toi t'es habitué, mais je sais pas si dans ton entourage on t'en a déjà parlé, si fait laisser un jour indique que tu fais de l'email, tu vas voir les réactions que t'as en face sont assez extraordinaires, tellement. Et ça, tu le sais si tu es entrepreneur dans le web, que du coup les gens disent mais tu fais quoi exactement Et là, ouais, je, je fais des sites web, je fais des sites web, d'accord, voilà, comme ça c'est fait. C'est trop compliqué à expliquer. Je dis c'est trop compliqué parce que pff, après, faut, tu sais, t'as déjà eu cette expérience de d'expliquer les mecs qui comprennent pas, machin. Puis au bout d'un moment, tu simplifies le truc. Alors moi, ce que je dis, c'est que je fais de la monétisation d'audience. Et j'adore dire ça parce que les gens ils disent à quoi Et du coup, la monétisation d'audience, c'est facile à expliquer. J'ai une audience, par exemple sur YouTube, Facebook, des emails, etc. Et euh, j'envoie, enfin euh, je Propose des produits à ces gens-là. Et quand je dis ça, les gens réagissent toujours pareil. Ah, mais t'envoies des emails Oui, et j'ai une chaîne YouTube, une chaîne Facebook, une un machin. Et c'est rigolo parce que les gens ne regardent, en fait, tu constateras que les gens ne regardent que ce qu'ils ont vraiment envie de regarder. C'est-à-dire email égale mal. Donc, ah, mais c'est mal ce que tu fais, tu fais de l'email. Donc, du coup, c'est assez rigolo parce que finalement, euh, voilà. À l'inverse, il y en a qui publient comme moi des, un podcast par jour euh, sur, euh, sur, euh, sur leur chaîne YouTube et finalement, on n'appelle pas ça du spam. J'avais fait des sujets hein, là-dessus, tu t'en tu rappelles, il y a quelques semaines, et eh ben euh, ouais, c'est quand même bizarre, cest à envoyer un email c'est considéré comme du spam, mais faire euh, deux contenus par jour c'est pas considéré comme du spam, alors que bon, voilà, ta pub chez toi, tu sais, toutes les 15 minutes sur TF1 c'est pas du spam, c'est de la pub, tu vois, mais tout va bien quoi. Est-ce que tu reçois autant d'emails chaque jour que de pubs qui existent sur une chaîne télé tu vois, ça c'est une vraie question que je me pose en même temps que je te parle c'est est-ce que le nombre de pubs que tu vois par jour si tu la compares au nombre de mails que tu reçois dans ta boîte mail tous les jours est-ce qu'à ton avis c'est qui qui gagne c'est ta boîte mail ou la télé tu vois donc mais c'est marrant parce que le spam égale email tu vois voilà spam sonore peut-être spam voilà bref passons donc pour te dire quoi que la plupart du temps quand on te dit oui mais c'est mal de gagner de l'argent avec l'email, les gens pensent surtout à ces pubs qu'ils reçoivent, il y en a qui confondent déjà le spam et le phishing, c'est-à-dire que euh, tu sais entre le spam, la pub que tu reçois et... Euh et, euh, et le phishing qui est donc de la tromperie clairement condamnable euh, qui sont les, les fraudes aux impôts les fraudes à la banque tu sais, tous ces trucs de phishing qu'il faut clairement éviter euh, de recevoir et voilà je, je sais même pas comment c'est possible que ça que, n'ait que, que pas déjà été démantelé tout ça tu vois moi je reste toujours très subjugué d'ailleurs si t'en fais je te je te prie de te désabonner de ma chaîne s'il te plaît et de mon podcast parce que ça pour le coup je trouve que c'est ce qu'il y a de pire au monde mais passons. Ensuite ce que je veux dire là dedans c'est que quand bien même tu fasses de la pub c'est en général tu fais de l'affiliation parce que si tu promouvois ton produit comme sur Web de fou moi je fais, bah finalement envoies un email et c'est pas tout à fait pareil, tu vois, quand on me demande si Web de fou qu'est-ce que je fais, je dis pas que j'envoie des emails, et pourtant finalement euh, mes contenus, euh, je te les envoie par email, tu vois. Donc en fait, je fais pas d'email forcément parce que je fais plutôt des podcasts, mais t'as vu c'est une façon un peu détournée de dire que si, à la fin, je t'envoie un email par jour, tu vois. Mais euh, clairement, euh, c'est pas assimilé pareil. On me dit ah tu partages des infos, t'es un faux preneur. ouais. Bon enfin je fais un audio, et je te l'envoie par email, en gros c'est ça que ça veut dire quoi, tu vois, sur le principe. Donc je te dis ça parce que euh, euh, tu vois, on peut toujours prendre le sens qu'on veut dans, dans, dans ce genre de sujet, tu vois. Donc l'email, bien sûr que c'est pas mal, t'as le droit de gagner ta vie avec l'email. Ce qu'il faut, c'est que ça dépend comment tu gagnes ta vie avec l'email. C'est-à-dire est-ce que t'as le droit de gagner ta vie avec l'automobile, bien sûr. Maintenant, si tu voles des autos et que tu les revends, euh, bien sûr que non, tu vois. <laughs> enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu la même chose. Donc après, ce qu'il faut se dire, c'est... Surtout, euh, qu'est-ce que je fais avec mes emails, tu vois Donc il faut trouver la bonne pression marketing, hein, tu la connais, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est entre deux et trois fois par jour la bonne pression marketing. Euh, et puis surtout, l'avantage de l'email, de gagner de l'argent avec l'email, c'est que tu pas besoin de savoir vendre, en fait. Alors évidemment, si tu sais vendre, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup mieux, évidemment. Mais l'email, l'avantage, c'est que tu peux proposer, et tu des gens euh, qui prennent euh, euh, qui te proposent leur programme, je sais pas, on va penser à Nocibé, qui te donne leur news email, et t'as as juste à l'envoyer sur ta base email pour faire de l'argent, tu même pas besoin de savoir vendre, c'est eux qui s'en occupent, tu vois. Donc toi, tu touches une commission bien sûr parce que tu fais pas grand-chose en pas envoyer un email mais tu gagnes de l'argent et donc finalement c'est une des façons les plus simples de gagner de l'argent alors c'est pas si simple parce que évidemment il y a beaucoup de filtres c'est-à-dire il y a un truc que je dis pas assez qui est vrai, c'est que de toute façon, peu importe ce que tu fais sur le web, ton effort, tu dois le mettre soit à l'acquisition, soit à la monétisation, soit à la C'est un des trois. C'est-à-dire que si par exemple tu as des capacités à retrouver des bases mails facilement et à acquérir des bases mails facilement, bravo. Maintenant, ton effort va donc être sur la monétisation, tu vas devoir mettre tout ton tout tout ton paquet de, 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 de tout ce que tu veux sur euh, sur la vente. À l'inverse, si tu es bon en vente et que tu sais pas comment acquérir des emails, c'est si un bon produit, ben bah, tu vas devoir te concentrer sur l'acquisition. Donc, et si jamais tu arrives plus ou moins à faire les deux, de toute façon, il va falloir que tu te concentres sur la fidélisation. Donc, finalement, il euh, y a toujours un combat, tu vois, et c'est pas parce que tu trouves une solution facile à un endroit que c'est forcément plus facile. Si on arrive à trouver un jour un package entre les trois qui est vraiment facile de A à Z sur l'acquisition, la monétisation et la fidélisation, ben je pense que ça, euh, le jour où quelqu'un arrive à faire un truc vraiment là-dessus, qui soit vraiment pertinent, j'entends, et eh ben, euh, ça changera tout. Mais sauf que ça n'existera pas. Parce que personne n'a les compétences sur les trois. C'est-à-dire, tout le monde les a en fait, mais personne ne les a vraiment, si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on croit à tort qu'il faut euh, avoir... Euh, ah mince, attends, j'ai fait tomber un truc, tu vois. Euh, attends, deux secondes. Donc ouais, je te disais, excuse-moi, on croit à tort euh, qu'il faut avoir une, une, une... être un peu bon partout, ou en tout cas pouvoir déléguer à des personnes euh, là où on n'est pas bon, mais dans tous les cas, euh, ton effort doit être forcément concentré quelque part. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode magique, en fait, parce que soit soit tu vas bugger à l'acquisition, soit à la monétisation, soit à la fidélisation. Tu bugs toujours quelque part en fait. C'est évident. C'est évident parce que euh, parce que le schéma euh, si tout ça était résolu en fait tout le monde ferait énormément énormément d'argent. Euh, tu vois, tu as besoin de trouver des clients, tu as besoin de savoir leur vendre des choses, tu as besoin d'avoir donc un produit pertinent et tu as de, et tu dois forcément avoir un produit pertinent pour qu'ils puissent racheter chez toi, etc, etc. Donc évidemment que c'est difficile. Évidemment que c'est difficile. Et donc euh, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est ça l'avantage de l'emailing et c'est pour ça que gagner de l'argent avec l'email c'est ce qu'il y a de mieux, c'est qu'en fait tout ça, les gens le font pour toi. Ta seule difficulté finalement, c'est de savoir comment acquérir des bases mails. Et si tu me suis, c'est exactement ce que moi j'essaie de t'apprendre à travers des hacks, des astuces, à travers des formations, et puis à travers plein de choses. Et c'est justement la formation de la semaine que je t'ai mis à dispo, où je t'apprends justement à récupérer 50 000 emails. Hein, D'ailleurs, italien, espagnol, français, tu vas voir, qui sont spécialisés dans une niche et dans cette niche-là. Moi, je t'explique clairement comment les monétiser. Je te donne tout. Là pour le coup, je te donne tout à l'acquisition, la monétisation. Par contre, je te donne pas la fidélisation. Tu vois Il va y encore avoir cette dernière étape qui est compliquée. Mais dans tous les cas, tu vas pouvoir faire de l'argent de manière très rapide. Parce que je vais t'expliquer toutes les méthodes qu'il faut et comment il faut le faire. Maintenant, cette méthode, elle a des places limitées, bien sûr, et elle est réservée à des gens qui n'ont pas peur. C'est-à-dire à des gens pour qui le black-hat, ça veut dire quelque chose et qui, qui n'ont vraiment pas peur d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout jouer avec les règles, on n'est pas dans l'illégalité, bien au contraire. Mais euh, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et que tu vas devoir respecter à la lettre. C'est-à-dire que ce que je te montre, ça marche, je te le montre, mais il faut le respecter à la lettre. C'est tout. Donc si tu es plutôt du genre à vouloir partir en succès, et pas écouter ce qu'on te dit, pas de problème, achète la formation mais tu seras déçu. Maintenant si tu es prêt à m'écouter sérieusement et que tu es prêt à rentrer dans le monde de l'email, et eh ben tu cliques dans la description, il y a un lien, tu vas apprendre à récupérer ces emails, c'est à peu près 50 000 emails, tu vas voir comment ça fonctionne, comment c'est légal, pourquoi c'est pertinent, comment tu vas faire de l'argent, je t'explique tout, c'est dans la formation, je te laisse cliquer dessus, je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite.